Voici une vidéo pour illustrer l'utilisation du template Zapier qui permet de suivre des temps de travail dans Google Sheet avec les QR codes Ubicode. Le principe de fonctionnement est le suivant. L'utilisateur scanne un QR code. On lui propose ensuite trois écrans successifs dans l'exemple. Le premier pour saisir son humeur avec des smileys. Le deuxième pour saisir son PIN code pour qu'on puisse authentifier quelle est la personne qui a pointé. Et puis le dernier écran pour le confirmer que tout s'est bien passé. Je vais maintenant vous montrer ce qui se passe dans Google Sheet. Donc là, on voit que Jane a pointé ce matin à 7h32 et qu'elle allait plutôt bien. On va imaginer maintenant qu'elle va pointer son départ. Donc je scanne le QR code. Je saisis mon code PIN et je valide. Et donc une ligne va venir s'ajouter dans le Google Sheet. Et voilà. Maintenant, une seconde personne va pointer sur un autre site. Donc cette fois, ce sera Paul, me semble-t-il. Et donc à nouveau, une ligne va venir s'ajouter dans le fichier Google Sheet. On voit dans cet exemple qu'on a une colonne qui s'appelle Geofencing, donc qui va être rouge ou verte en fonction de la position de l'utilisateur. On a ajouté en effet la possibilité de vérifier si la personne était bien là où elle est censée être au moment où elle a validé son QR code. Donc Jane était bien a priori sur le site Edelweiss, alors que Paul en revanche n'était pas au Hub des Alpes au moment où il l'a scanné. Voilà, bonne fin de journée.